Lelo mapinga ezalite bitumbe zali bateki mboka na bamboka bapayi. Ya mi balé ko sala ete kita ekolo na biso etombwa pote bilenge bazwa misala. Lobi na okaki candidat moko alekiawa makambone nyonso akoloba eza na katanga mais Congo ezali katanga te za lwala bate. Lelo na kolela Congolais pas si écoute social à Congolais à Maramouté, mais il faut Congolais allier. Congolais à Nengenini, ce qui nous salit, et par ça, c'est que nous payons sa banne à Congo Moussala. Tout va dans ma jeune, dans les Lombo Canabiso, la diplômée Bazali et Bélé, malheureusement, Moussala. L'école on a mis au courant boule à mi-tal pouvoir au ya kanyaka au ya corruption au ya makaboma be autour de mona au ya violation à bas droit de l'homme aux anga bokengi na kati na mboka na biso na est même à wa na babili na biso bisika tofandi misale les alité et zuel ya malongue les alité pe ba kongole mikolo miso kaka biloko kobuta talo pona kosisa pasi nyonso wana esengeli tosilisa pouvoir oyo na lolenge malamu na nzela ya maponami le 20 décembre boye kopona président na bino ya sika na projet obiso topesi bino pe to biangi bino mingi boya le 14 na showbus bisika tokopesa dans le détail projet na biso na ba action oyo to lengeli pona ko tombo le kolo na biso Congo. Merci. Ça na détail ba lo na mokuse penda ni ngosa mole na binito so na makambo mitano ya liboso ko zongisa sécurité na mboka na biso peli panda lelo na pinga ezalite bitumbe ezali bateki mboka na bamboka bapayi ya mi balé ko sala ete kita ekolo na biso etombwa pote bilenge bazwa misala. Lobi na okaki candidat moko alekiawa makambone nyonso akoloba ezali na katanga mais Congo ezali katanga te za lwala bate bisika miso ba Congolais bali na pasi pe bakoluka misala bilengo bazali na Équateur o bazali na province orientale o touti na Congo central bango pasi ezali mikolo miso bazali na lwala bawana komona bana mikende nge bazokota na mine na kokamwa kelelo bango bakokamba mboka bazomona yango te kozongisa intérêt ya Congolais. Ya misato oto bengi intérêt général topé sens ya bien commun lelo pouvoir efandi moyibi na moyibi efandi détournement corruption mais action pour la population ezomona na te. Pourquoi? Parce que je suis allé mabe na likolo te na se ya mine na lingi kozongisa bomoko kati na ba Congolais. Lelo tribalisme, séparatisme, clanisme, favoritisme et le kimakas. Il faut que les Congolais toala liboke moko. Peya souka na lobibui. Biso baso lokwa to fandia wana Congo et sengeli moto azena province songolo alingi ko tambola akende province boye nzela ezala. Nkite kolo na biso kozonga te soki ba province na biso ezali kokutana te. Lelo même bavion balobaki bakitisi talo po bato bazwa bavion bavion ebongi po lokuta na bango mais eloko biso tokosala ezali kotonga ba balabala po te ba Congolais bisika baso bazali bakokotambola pa donc ba priorité na biso ezali na biteni mitano wana pe na kati wana ba action ezali 35 tokolakisa ngo le 14 na showbiz na pesi bino merci mingi. Décision ya kotika candidature na ngai awa na kiro ya seni pe na sepeli na mosala seni esali ndenge bayambi ngai bokandida président ya république kokola bayambaki bakandida basusu lelo oyo ezali esengo mpe mokano wana tozwi mpo tolingi tobongisa mboka na biso changement ya solo ekota mpe changement na ekokota
permettre à ce que les Congolais habitent à la carte de Kimia, la carte de sécurité. Et puis, nous avons une unité nationale pour combattre les anti-valeurs, le tribalisme, et bon, on a bon. Donc, le but est que les Congolais habitent. Les lois de la Congolais, les Congolais passent les côtes sociales à Congolais à Maramouté, mais il faut qu'on les allie. Il y a des gens qui sont tous salis, et par ça, c'est que nous faisons ça, bah, là, il y a un peu de salle. Tout le monde est jeune, dans les rombos cannabis, la diplômée va aller et belé, malheureusement, mais ça les a. Parce qu'il y a une université, on a eu diplôme, on a eu diplôme dans la carte, il y a Sanoukou, et puis on a eu les ventes dans la carte, on a eu le Kouluma, on a eu le bateau, on a eu le bateau. Nous sommes allés faillite à l'État. Quand Jean-Claude Bailly a fait lobby, le lobby n'a pas mis président de la République, mais dans le coma, le lobby qui est dans le ça passe à Bana et Congo. Et tout le monde a fait un peu de temps. Il y a un peu de temps. Le pacte républicain congolais nous a se senti à l'aise dans le cadre de Mboka. Merci beaucoup. Donc, je me présente devant la presse. Je suis M. André Massalou Anedou. Je viens de déposer ma candidature comme candidat indépendant. D'abord, avant toute chose, permettez-moi de rendre grâce à Dieu. Comme vous le savez, aujourd'hui c'est un jour de Dieu, c'est un jour du Seigneur, c'est un dimanche. Donc pour moi, le fait de déposer ma candidature aujourd'hui, c'est vraiment une grâce pour moi. Et j'ai une pensée pieuse pour un homme exceptionnel qui a quitté cette terre des hommes, à savoir le cardinal Laurent Mossengo. Comme vous le savez, il a donné toute sa vie pour la démocratie dans notre pays. Le premier pas de la démocratie dans notre pays, c'était avec Monseigneur le cardinal Laurent Mossengo. Ma vision est attachée fermement au changement que l'ensemble de notre peuple espère. Et voilà pourquoi j'ai choisi ce moment par rapport à tous les problèmes que notre pays traverse, de venir me présenter comme candidat pour essayer de contribuer, pourquoi pas, au changement de notre pays. Nous avons essayé, effectivement, j'ai été reçu par le président Kadima. Nous avons discuté longuement, on a essayé de passer en revue et tout ce qui est lié justement à la logistique. Il vient de me rassurer d'ailleurs qu'ils sont en train de faire un effort pour que les élections passent dans de bonnes conditions et que l'ensemble de notre pays, l'ensemble de la population de notre pays, cette fois-ci, peut faire confiance à leur institution. Donc ils viennent de me donner la garantie que jusque-là, tout se passe bien, il n'y a pas de souci. Téléphone. Bien sûr, mon nom c'est Patrice. Écoutez, j'ai décidé de m'engager pour cette la première raison, c'est que nos politiciens ne font pas attention à la chose la plus importante que ce pays a, qui ne sont pas les mines, les eaux potables ou encore moins les forêts, mais par contre la jeunesse. La capital humain est pour moi la plus grande richesse de notre pays. Les jeunes, c'est le futur de notre pays. Personne n'en parle. Alors, avec cette candidature, j'ai décidé de prendre le leadership de cette jeunesse. Votre candidature sur la tête indépendant. Indépendant, bien sûr. Et vous avez pris l'ombre avec le président des CENI, On a un peu expliqué le processus. Et moi, j'étais déjà très content que ce soit lui parce qu'il avait déjà il a un record. Donc ce n'est pas quelqu'un qui était par un GDA, là. C'est quelqu'un qui a déjà fait ses preuves à l'international. Et donc aujourd'hui, il rend ce processus très rapide. Donc j'étais très content que ce soit lui. Et on a un peu discuté des processus et des... Vous pouvez expliquer l'ancien message que vous avez qui est... Bien sûr. Écoutez, je suis très 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 honoré de pouvoir finalement me lancer dans cette campagne, de pouvoir représenter la jeunesse congolaise et de pouvoir ensemble, main dans la main,
changer les choses. Parce que ça ne peut pas se faire seul. C'est une responsabilité de chacun de nous. Et donc voilà, je suis très 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 content. Et comme je dis, le plus dur reste à venir. Mais pour moi, en même temps, le plus dur est déjà gagné. Parce que la volonté est là. La volonté est là. Moi, j'ai voyagé tous les grands pays, de haut en bas. De Goma à Lubumbashi, de Lubumbashi à Kojumai, de Kojumai à Mandaka. Et j'ai vu une jeunesse incroyablement, incroyablement talentueuse, incroyablement forte. Mais elle a besoin d'un leader, elle a besoin d'une direction. Et je compte bien le donner. Merci. Vous venez d'ailleurs. Bibi tellement ouais, je vois que. Chef qui t'a bouqué. Deuxième candidature à la magistrature suprême. Cette candidature, elle est différente parce que la motivation, la détermination est différente. Nous sommes déterminés à sortir ce pays du gouffre dans lequel il s'est trouvé. Et nous avons décidé de nous engager pour aller jusqu'au bout. Pour nous battre. Ce pays a besoin de nous. Ce pays a besoin d'un sauveur. Et nous sommes convaincus que ce sauveur se trouve dans l'opposition. Aujourd'hui, plus que hier, notre pays, la République démocratique du Congo, a besoin de la force et des intelligences de tous ces États. Aujourd'hui, plus que hier, notre pays a besoin de projets concrets, capables de permettre à ses enfants de se retrouver de la plus belle manière. Hier, nous avons tous suivi à la télé, il y avait beaucoup d'agitation ici, beaucoup de manipulation, beaucoup de mépris, beaucoup de calomnies, beaucoup d'intimidation de la part du candidat de l'UDPS et de ses alliés qui sont à la base de tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Ils ont même promis une remontada, même si nous savons tous que ce qui leur attend le 20 décembre de cette année, c'est en réalité une descentada. Donc moi, je saisis cette opportunité pour lancer un appel patriotique à tous les opposants, à tous les résistants, pour que nous puissions mutualiser nos forces. Mutualiser nos forces pour remporter ces élections, c'est important. Une fois élu président de la République, je sais que je peux compter sur la rigueur de Augustin Matata Ponyo, je sais que je peux compter sur le savoir-faire de Mukwege, je sais que je peux compter sur les qualités managériales de Moïse Katumbi, je sais que je peux compter sur la bravoure de Fong Diongo, sur la lucidité de Lévi Sessanga, je sais que je peux compter sur le courage de Mme Marie-Josée Fong. Donc l'opposition va travailler dur pour avoir un candidat commun et donner à ces candidats communs-là la chance de ramener la victoire. Et je me propose comme ce candidat-là qui incarne le mieux les aspirations des Congolais de 2023. Parce que je fais partie de la nouvelle génération et je comprends mieux que tout le monde les enjeux actuels. Parce que mon plus grand défi, c'est faire entrer la République démocratique du Congo dans le 21e siècle. Avec quelle base électorale pour être élu, s'il vous plaît ? Président Denis Kadima, pourquoi vous parlez ? C'est des lunettes, vous entrez ici. Sur la transparence, sur la crédibilité du processus électoral ? J'ai exactement dit ceci au président de la CENI, Denis Kadima. Je lui ai dit que le peuple attend son sauveur et ses sauveurs se trouvent dans le processus. Je lui ai dit ça. Je lui ai dit que 2023 ne doit pas ressembler à 2018. J'ai été candidat en 2018 et 2018 était une catastrophe. Cette fois-ci, avec l'expérience que nous avons sur le processus électoral, sur le déploiement des témoins, nous nous organisons de façon à ce que nous puissions avoir de bonnes élections. Nous ne dépendrons pas que de la CENI. Nous allons nous organiser avec nos témoins pour obtenir de bonnes élections et surtout
la publication des résultats bureau de vote par bureau. Merci. 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 I'm gonna go to the hospital.